Salut à tous et bienvenue sur Everyday Collab. Alors j'ai décidé de créer cette collab, se différencier vraiment des autres collabs, apporter un peu de folie, pas faire des vidéos vraiment strictes, c'est vraiment pour le plaisir. D'abord je tenais à vous dire que je suis super contente de commencer les vidéos sur cette collab. Je suis super pressée de vous faire cette vidéo, donc moi je serai votre lundi sur la collab. Le thème de la semaine c'est le dollar tag et la question de la semaine c'est de se présenter. Alors moi je m'appelle Hadidja, ça s'écrit H-A-D-I-D-J-A parce que oui j'ai horreur qu'on écorche mon nom ou qu'on l'écrit mal, c'est vraiment un truc que j'ai horreur. J'ai 17 ans, je suis lycéenne et j'habite à Clermont-Ferrand dans le 63 pour celles qui ne savent pas puisque c'est un coin paumé. Voilà, moi mon animal préféré c'est le lapin, mon chiffre préféré c'est le 2. Je suis une grosse gourmande, j'adore manger toutes les 5 minutes, surtout si c'est du chocolat. Et je suis née le 2 janvier. Alors moi je suis très sociable, je suis joyeuse. Et j'espère que je vais apporter beaucoup de folie dans cette collab. Voilà, que dire de plus? Ma passion c'est la danse, la mode et tout ce qui tourne vers la beauté. Je suis une fille très dynamique et souriante et peut-être un tout petit peu ou beaucoup folle. Oui, parce qu'on me le dit souvent que je suis souvent... que je suis folle. On me le dit souvent que je tiens pas en place, enfin je suis toujours en train de bouger, franchement tout le temps, train de tout en fait dans ma tête c'est la fête, voilà. Pour résumer c'est comme ça, je suis folle, mais positivement bien sûr. Je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez en commentaire. Oui j'ai une chaîne personnelle qui s'appelle Maurina H qui est de mode et de beauté, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Assez parlé de moi, maintenant on va commencer le thème de la semaine. Première question, as-tu déjà fait de l'équitation? Si c'est le cas, vous prenez 3-2-2 là. 3-2-2 dollars. Si c'est le cas, vous prenez 3 dollars. Donc, pour ma part, c'est le cas. Donc, je prends 3 dollars. Battu avec quelqu'un d'autre? Oui. Mais je suis pas une tapeuse, hein. Donc, si c'est le cas pour vous, vous prenez 5 dollars. Tricher un contrôle? Je pense qu'on l'a toutes déjà fait, hein. Donc, pour ma part, je l'ai déjà fait. Donc, je prends 2 dollars. Embrasser, smack quelqu'un du sexe opposé? Oui. Si c'est le cas, vous prenez 2 dollars. Embrasser, smack quelqu'un du même sexe? Si c'est le cas, vous prenez 2 dollars. Pour ma part, je prends 2 dollars. Été viré de cours? Oui, malheureusement. Et pas qu'une fois. Donc, c'est 5 dollars. Donc, je me prends 5 dollars. Flasher sur un prof? Non. Franchement, non. J'ai déjà trouvé un de mes profs beau, mais pas flashé. Si c'est votre cas, vous prenez 5 dollars. Pour ma part, je ne prends pas 5 dollars. Mentir pour protéger ton frère ou ta soeur, si vous l'avez déjà fait, c'est 3 dollars. Pour ma part, oui. Fais un canular téléphonique à quelqu'un, si vous l'avez déjà fait, c'est 5 dollars. Pour ma part, oui. Donc, je prends 5 dollars. Fais un canular téléphonique à un inconnu. Je pense que vous l'avez tous déjà fait. Donc, c'est 10 dollars. Pour ma part, je l'ai déjà fait, donc 10 dollars. Piquer quelque chose dans un magasin, franchement, quand j'étais petite, il y a longtemps, donc c'est 5 dollars. Endormi en cours, franchement, c'est ce que je fais tous les jours en cours, c'est pas ma faute, mais je peux pas tenir toute la journée, donc c'est 2 dollars. Sécher les cours, oui, c'est 3 dollars. Regarder une série du premier au dernier épisode, oui, je l'ai déjà fait, c'est 3 dollars si je me souviens bien. Tiens, les cheveux, oui, je l'ai déjà fait et franchement, je regrette de l'avoir fait parce que genre, j'avais pris marron noisette et genre, j'étais devenue blonde, c'était horrible. Genre, c'était horrible, une noire blonde quoi, c'était trop moche. Donc, oui, je l'ai déjà fait et c'est 3 dollars. Sortir avec quelqu'un de plus âgé, oui, mais genre pas de 5 ans et tout, non, non, faut pas abuser. Donc, si vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de plus âgé, vous prenez 4 dollars. Pour ma part, c'est oui. Manger un paquet d'Oreo en une seule fois, oui, c'est déjà fait. Et si, comme moi, vous l'avez déjà fait, vous prenez 1 dollar. Pleurer dans ton lit avant de t'endormir, je pense que ça aussi, tout le monde l'a déjà fait. Donc, c'est 3 dollars. Fumer, j'ai déjà essayé de fumer, mais ça ne veut pas dire que je fume. Donc, c'est 3 dollars. Tomber amoureux, 5 dollars. Donc pour ma part, oui. Surpris par tes parents en train de faire quelque chose d'interdit, ça m'est encore jamais arrivé, je pense pas. Vous prenez 5 dollars si vous avez déjà été surpris par vos parents en train de faire quelque chose d'interdit. Faire une soirée pendant l'absence de tes parents. Alors comment vous expliquer cela? C'était pas une soirée organisée, mais il y a eu
genre 2-3 potes qui sont venus alors qu'il n'y avait pas mes parents, donc voilà. Mais j'appellerai pas ça une fête, mais je sais pas, je pense que je veux le compter quand même. Donc c'est 10$, fait du bowling. Non, j'ai jamais fait du bowling, c'est assez bizarre en plus. Donc si vous avez déjà fait du bowling, c'est 4$. Été collé, oui franchement ça m'arrive tout le temps, donc c'est 5$. Si vous aussi vous avez déjà été collé, uriner dans la piscine, bien sûr. Mais genre quand j'étais petite, hein, ça c'est, tout le monde a déjà fait aussi je pense, hein. Donc oui. Donc si vous aussi vous l'avez déjà fait, c'est 1$. Trahir un ami ou ta copine, non je pense pas. Enfin, blessé, ouais, et tout, vite fait. Mais je pense pas avoir trahi quelqu'un. Donc, si c'est votre cas, vous prenez 3$. Voyager à l'étranger. Donc, si vous aussi, vous avez voyagé à l'étranger, comme moi, vous prenez 1$. Eu ton brevet, oui, donc c'est 3$. Jeu au jeu de la bouteille. Franchement, ce jeu, il est trop, trop stylé. Donc, c'est 3$. Si vous aussi, vous avez déjà joué au jeu de la bouteille. Eu ton bac, ben je suis qu'en première, donc j'ai pas encore passé mon bac, donc c'est logique que j'ai pas encore mon bac. Donc l'année prochaine, Inch'Allah. Hein. Donc si vous, vous avez déjà eu votre bac, c'est 5$. Était vraiment bourré? Non. Franchement, si c'est votre cas, vous prenez 7$. Et enfin, être abonné à la collab. Moi, je suis abonné à la collab avec ma chaîne personnelle. Et maintenant, on va faire le total. Et si j'ai bien compté, j'ai 92 points. Enfin, $. Ça va, j'ai pas encore fait trop de conneries dans ma vie. Moi, je trouve que ça va. Dites-moi vous en commentaire combien vous avez eu. Et n'oubliez pas de mettre votre âge pour comparer un peu. Donc, voilà, le thème de la semaine est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.